Après cette défaite 3-2, cette courte défaite, comment vous le sentez? On est très déçus et énervés, surtout sur les décisions des arbitres. Voilà, nous je pense qu'on a mérité au moins un penalty. Après voilà, c'est l'Afrique, on savait que ça allait être comme ça, il allait avoir des décisions un peu bizarres. On aurait pu marquer peut-être un de plus, on aurait pu concéder un de moins. Donc il y avait des choses à faire, mais ce qui est bien, c'est qu'on a marqué deux buts à l'extérieur. Maintenant, il faut absolument les gagner chez nous et leur montrer qu'on est chez nous. Parce qu'ici, ils sont un peu enflammés. Et voilà, je lance un message à tous les supporters. On va tous venir à Blida pour remettre la pression et leur montrer qu'on est très bien. Comment vous avez géré un peu les difficultés du match, la chaleur, tout ça? Vous avez réussi à gérer ça? On a essayé de rester en bloc, parce que faire des efforts d'après 10 minutes, c'était pas possible. Donc, on est resté en bloc, on jouait par contre-attaque, ça a marché. Voilà, déçu, parce que je pensais qu'on allait sortir avec un match nul au moins. L'arbitre en plus n'allait pas siffler pénalty, c'est l'arbitre de touche qui a vu, alors que ben, y a Saïd avec les deux mains derrière le dos. Ça fait mal au cœur, mais c'est comme ça. Vous êtes confiant de la qualification? Ouais, confiant, Inch'Allah. Merci.